Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va déterminer le PMG de mes semences fermières. Le PMG, c'est très important parce que c'est la dose de grains au mètre carré qu'on va identifier avec le poids. Comme ça, on aura une somme de poids à régler pour le semoir. Parce que le semoir, lui, il sème en kilos. Et comme on sème environ 220 grains à 240 grains, faut le PMG. Du coup, je me faisais chier avant et là j'ai acheté un petit truc bien sympathique. On met un certain nombre de grains dans la plaque, on pèse. Comme ça, ça permet de déterminer le PMG. Vous voyez, il y a des plaques. Et comme ça, après avec le PMG, vous voyez, PMG de 40, on veut 200 grains. Et ben on met 70 kilo-hectares. C'est un peu tout simple, hein. C'est une table qui est vraiment bien, ça. Et après, il y a les barèmes de conversion qui sont pas mal faits. Parce qu'en fait, là, cette plaque, ça pesait 200 grains. Allez, on est parti. Je vous montre ça. Alors, vous voyez, là, j'ai mis le nombre de grains. Bon, il y a des trous qui sont vides parce qu'il y a des doublons, là. Les grains sont assez petits, là, vous pouvez voir. En fait, ce que vous voyez, le colorant, c'est pour mettre que c'est traité, mais... En fait, c'est un fongicide qui est incolore, mais... Pour éviter de tout mélanger, ils ont mis un colorant rouge. Voyez, hein. Là, c'est de l'Absalon. En fait, on a fait passer au trieur pour enlever les mauvaises herbes, parce qu'il en reste tout le temps, et les petits grains, parce que là, cette année, il y avait des grains un petit peu fusariés. Et vous voyez, hein, c'est une semence de qualité, à moindre coût quand même, parce que faut savoir que les certifiés, ça vaut assez cher. Mais bon, on est obligé d'en faire pour renouveler. Et là, c'était de la semence certifiée qu'on avait acheté 100 kg l'an dernier pour en faire 1 tonne 8. On aurait pu en faire plus, hein, mais on avait besoin de ça. Alors après, faut que je mette ça ici. Bon, voilà. J'ai mis les grains. Après, avec la bécane... Si ça veut marcher. Ah ouais, si j'enlève pas le couvercle, ça pour aller. Hop. Ah ouais, j'ai fait le con. Faut que je mette la tare parce que ça. 13 grammes. Alors on est à 8,5. Huit et demi. Huit et demi, ça correspond à... De tête, j'arrive pas à vous le dire, mais vous voyez, on est entre 40 et 45. Je pense que c'est pas mauvais. C'est le PMG de l'année, de toute façon, ça permettra de calculer à peu près... Là, je vais refaire un test quand même pour vérifier hors caméra ce que ça donne. Et vous voyez un petit peu comment en 2 minutes, même pas 1 minute pour calculer ça. Et après, bah, comme ça sera... Bon, je vais me dire qu'on est à 44. 44, 250, ça fera 110 kilo-hectares. Bon, j'essaierai de recalculer parce que je suis pas sûr que... Parce qu'il y a des plaques aussi sur les sacs de semences. Faudrait que je vérifie quand même si ça correspond. Et voilà un petit peu le système. Nos petits dédés, le grain de blé. Comme ça, on pourra semer ça au mois d'octobre ou novembre.